Ouais, sans doute. Hein. Aucune idée. B24C jusqu'à la vanne B24D et puis au niveau de la vanne et après ça passe en face. C'est pour ça que des fois t'as des vannes fermées alors qu'elles devraient être ouvertes parce que ça dépendait de l'autre sous-traitant qui s'occupait de l'eau. Mais non, pas du tout, ça dépendait de tout parce que c'était juste au niveau de la jonction entre les deux zones. C'est une prise de risque énorme. Ça, puis le fait par exemple que sur la maintenance des centrales nucléaires, avant tu avais. Par exemple, parce que c'est simple, la centrale de Tulas, tu avais 3 mois d'arrêt par tranche pour la maintenance. Une arrêt par une tranche, une arrêt de 3 mois. Bravo! J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Et je suis tombé pour la pomme sur un tordu mal balancé. Ce n'est pas un Apollo manché, il n'est pas taillé comme un Hercule. Malgré qu'il soit plein de niveaux, c'est lui que j'ai dans la vie. Il me plaît, il me plaît, il me fait de l'effet, je l'aime. C'est un vrai gagalé, aussi laid qu'un bassin, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça met bien les pâles, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, s'entend bien, c'est un fait, il est carré, mais ses épaules par du carton sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambins. Celui qu'il a dans sa main, c'est pas du poil, c'est du crin. C'est un vrai quinquagalé, aussi laid qu'un bassin, mais je l'aime. Il est vocal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air à trop mal. C'est complet, il est muet, c'est caqué, son tombé, c'est un fait total qu'il est.
veut plus rien. C'est toujours la même pièce qu'il a, hein. Depuis qu'on le connaît, c'est toujours la même pièce. Hein.